Simplement, on va poser notre coffre qui va symboliser le Stirling Engine. On va poser notre turtle par-dessus. Hein, on va poser par-dessus ce qui sert de tank. Ok. Dans notre turtle, on va poser notre seau et... Alors, je pense qu'il va me falloir un seau de lave. Je pense qu'il va me falloir un seau de lave. Donc, voilà. Alors, notre programme. Notre programme va s'appeler... Alors, on peut pas l'appeler Refuel, il me semble, parce qu'elle est parce que c'est déjà une fonction qui est appelée dans TurtleOS. Donc, comment on va appeler ça? Oups, j'en cache. Non. Edit. Lava. Refuel. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Allez, hop. Donc, alors, ça sert peut-être à rien de faire une fonction. Mais moi j'aime bien procéder comme ça. N'importe quoi. N'importe quoi. Mand au mieux de main. M-A-I-N. Main. Main, ok, très bien. Et... je veux le paramétrer. While true. Ce mec est développeur. Oui, mesdames et messieurs, je suis développeur. Et je sais pas écrire true correctement. Hop. Et puis là, je suis à sleep. Qui existe également en PHP, sleep. Donc je sais pas que j'ai l'habitude de m'en servir, mais presque. Non, je m'en sers jamais. Dans mes sites, ça sert strictement à rien d'avoir un sleep. C'est pour utiliser des applications qui tournent en permanence sur les machines. Ça peut servir de connaître le sleep en PHP. Et puis là, bah, pour le moment, on va mettre à 60 secondes, même si je ne sais absolument pas. Pour le moment, on va mettre 60 secondes. On va déjà sauvegarder ça. Ok. Donc là on va pouvoir déjà paramétrer notre programme avec ça. Ensuite, donc while do, alors notre turtle va déjà inspirer, oui, donc résultat. Ouais. Alors dans tous les cas, dans le doute en fait, quoi qu'il arrive, on fait un turtle select 1. Bon, on va toujours sélectionner le select 1. On va toujours sélectionner le premier slot. C'est avec lui qu'on va travailler. Attendez, je vais juste réouvrir l'API de Computer Craft, parce que c'est toujours bien de coder avec la documentation à côté. Je serais mieux de brancher mon double écran aussi, mais bon, help wiki, hop. Oh, je vais vous laisser un petit peu la musique. Ça vous fait patienter. API list. API list. Et là, j'ai la turtle API. Ça mouline.
J'aimerais bien voir ce qu'il y a dans l'HTTP. Si je pouvais, parce que moi j'ai un serveur web, si je pouvais comment mettre faire un programme sur mon serveur web et le lier à Computercraft, ça serait un truc épique, je pense. Je sais pas si je peux gérer du JSON avec Computercraft. Si je peux, c'est absolument génial. Bon, pourquoi tu veux pas accéder à l'API des Turtles? Ah, merci. Alors, oui, et je voulais donc, c'est le compare. Donc le compare tout, compare the current selected slot and given slot. Donc si je comprends bien, cette fonction-là, elle va comparer si... Donc c'est ça. Donc c'est ça. Alors, là, on va faire un. Donc normalement, ça renvoie un booléen, donc true ou false. Donc c'est très bien. Donc on va faire un if then. Alors, entre le if et le then, il va toujours y avoir une condition. Ça change jamais. Ici, il va y avoir une condition. Juste pour le moment, j'écris la structure. Comme ça, je suis tranquille. Else. Ici, end. Voilà, donc ça c'est la structure du if, donc du conditionnel. Et la condition c'est if turtle. Excusez-moi, j'éternue un coup. Ça veut pas venir. Compare tout et là on va donner le slot 2 qui est le seau de lave. Donc s'ils sont égaux, on va remettre le seau de lave tel qu'il est. Sinon, on va faire autrement. Si ça c'est égal à false. Et on va pas mettre de else. Parce que dans tous les cas, ici, il va falloir faire un turtle. Et alors, non, attendez, je suis en train de dire n'importe quoi. Oui, si c'est false, ici on va faire un turtle place. Turtle.place. Donc on va utiliser le saut vide. Donc si en fait cette fonction-là retourne false, c'est que les deux sauts sont différents. Ce qui veut dire que le premier saut est en réalité un saut vide et pas un saut de lave. Si c'est deux sauts de lave. Alors dans ce cas, ça va renvoyer true et bah simplement bah ça va pas passer dans la boucle. Oui, parce que là, ce qu'on attend, c'est que cette fonction-là retourne false, retourne faux et ne retourne pas true. Elle retournerait true si on avait deux seaux de lave. Si on a un seau vide et un seau de lave, alors dans ce cas, ça renvoie false et ce que l'on veut, c'est juste remettre le truc. La turtle et là la turtle on fait alors là je veux que on remette dedans qu'on donc c'est l'inverse du suck. Ça a l'air d'être drop down deuxième, si c'est un inventaire en dessous.
Ça va être placé dans l'inventaire. Donc c'est ça. Donc c'est un drop down. Donc on a le turtle drop down. Donc on a le sundown, le drop down. Toutes les 60 secondes. Ok, donc ça c'est bon. On va essayer toutes les histoire qu'on ait bien le temps de voir toutes les 15 secondes. C'est pas mal. Allez, save, exit. Et là donc je l'ai appelé comment? Je l'ai appelé lavarifuel. Ici c'est presque plein. Ici on a un seau de lave. Ici on a le seau vide. Donc admettons donc que notre Stirling Engine est un seau vide. La varifuelle. C'est parti. Il est vide, d'accord, ok. Ça veut pas. Alors, comment on fait pour l'arrêter? C'est la question que je me posais moi. J'arrive pas à arrêter la turtle. Contrôle espace peut-être. Ça doit être un contrôle quelque chose. Comment on arrête une turtle? Bon, bah pas le choix. Non, juste avant. Eh merde, j'ai oublié de la labelliser. Bon, tant pis. Eh merde. Bon, coupure, je refais le programme. Et puis... puis on voit ce que ça donne. Déjà, voilà, 7. Oui, donc le PC de dev, comment? Le PC de dev, il s'appelle dev, et cette turtle là s'appelle farm. Voilà, ça c'est. Cadeau, c'est voilà. Alors, attendez que je ne dise pas de bêtises. Elite lava rifiole. Bon ben, je la refais et puis ben, je vous reprends tout de suite. Bon, ok. Bon, ça a un peu évolué. bon. Ben voilà. Alors que vous dire déjà peut-être au niveau du programme quand il aura redémarré parce que j'ai pas mis une boucle infinie. Un peu volumineux mais ça permettra vraiment de faire ce qu'il faut. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Ben, c'est assez simple. La turtle va faire son travail mais un petit peu différemment. En fait elle va j'arrive pas à lui faire un clic droit. Hop. Tu me le rends. Un clic droit sur le tank. Donc il veut pas remplir le seau lui-même. Donc ce que je fais c'est que j'envoie le seau dans un fluide transposeur. Le fluide transposeur il a l'entrée en entrée. Enfin il a l'entrée en bas et en haut. En haut pourquoi? Parce que la lave on va la faire rentrer par le haut. Et le dessous bah, pour que la turtle puisse envoyer le seau vide. D'ailleurs j'ai un seau plein ici. Résultat. Elle a redémarré ou pas? Elle a redémarré. On va faire une démonstration tout de suite. Donc simplement le seau de lave arrive ici. Enfin le seau vide. Le seau vide arrive ici. Ici, il se remplit de lave, il retombe. Et quand il retombe, il est aspiré par la gauche grâce à ce wooden transport pipe. Il arrive, il revient dans la turtle et la turtle, alors
suis pas sûr du temps. Je vais vous montrer le programme. Le seau de lave revient ici et la tortue le redépose dans le dans ce qui sera le Stirling Engine. Donc voilà. Donc petite démo. Attendez. Par contre, oui. Donc edit. Voilà. Alors pour le moment, j'ai fait un. Un petit programme trop fort rien. Je vais y faire qu'une seule boucle, sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Donc pour le moment j'ai juste mis un petit incrément trop fort rien qui peut faire la boucle. Donc j'ai essayé hein, le i++, ça marche pas en loi. Donc voilà, donc simplement donc petit programme, donc on sélectionne la case 1, on fait un suckdown, donc pour récupérer le seau vide en dessous ou le seau de lave, ça dépend. Si c'est un seau vide, alors dans ce cas on fait un drop up, ça veut dire qu'on envoie dans le magma crucible, on attend 10 secondes, c'est ce temps là dont j'ai le doute, le temps qu'il se remplisse, c'est le temps qu'il parcourt en fait le wooden pipe. Je suis pas sûr qu'il y ait 10 secondes en fait. Il y en a peut-être plus. Mais bon, 10 ça me paraît bien. Ok, ensuite on fait un drop down. Donc on renvoie le seau de lave. Donc soit c'était un seau de lave avant et on le renvoie. Soit c'était pas un seau de lave, on le remplit et on le renvoie. On attend le temps de... Le temps imparti. Et on recommence. Voilà. Donc c'est juste ça. Ce tank là évidemment ce sera hein, évidemment la sortie du tank de lave hein, c'est pas plus compliqué que ça. Pour ça c'est juste un redstone engine, ça peut pas exploser normalement. Donc voilà, donc petite démo. Ctrl save, Ctrl exit, lava refuel. Voilà, ça a pris le saut, ça l'a pris, ça l'a envoyé là et c'est déjà revenu. Vous voyez, ça va très très vite. Voilà, donc il est revenu. Et il devrait pas tarder à redescendre. S'il redescend pas, c'est que les 10 secondes, c'est pas. C'est trop court. Donc c'est trop court. 10 secondes, c'est trop court. Il n'a pas le temps de redescendre. Est-ce que 20 secondes ça tirait mieux? Rends-moi ça. Allez, un petit saut de lave, un petit saut ici. Ok, et on est reparti. Ctrl S, Ctrl Exit. Hop, un petit hop, la varifuelle, ça envoie. Évidemment. Non, il va merder. Il va merder, ça va. Non, c'est bon. Ok, 20 secondes, c'est largement suffisant. Bon, donc, bah, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, donc, eh ben, on va déplacer tout ça. Simplement. Alors, juste avant... Hop, attendez, on va... Là, on va juste déposer ça comme ceci. Oui, je sais, je suis un peu... bas. Alors ici et puis ici on va faire un ls, donc on a le disque et on va faire un cp de lava, donc une copie hein, de lava rifuel vers disque slash lava non pas encore. D'abord on va éditer la varifuel. Et ici on va simplement virer le i égale 0. Ici on va marquer trou.
Et ici, l'auto-incrément, on le vire. Voilà, CTRL S, CTRL Exit. Donc voilà, c'est pas un programme très très compliqué. Et donc, CP de lava refuel vers disk slash lava refuel. Ok, je récupère ça entièrement. Merci. Et ici, CP de disk. Disk lava. Refuel. Faire lava. Refuel. Ah. Logique. Voilà, donc on a notre programme farm et notre programme lava refuel. Et ben c'est cool tout ça. Allez, on va aller déménager tout ça dans le nether pour être tranquille. Alors par contre en chauve-souris c'est lent de miner, voilà. Qu'est-ce que je peux casser tel quel? Alors ça, hop, hop, ouais, ça on va le récupérer. Ça aussi, ça, on peut pas le récupérer tel quel, ça non plus. Et ça, faut casser la main. Allez, hop. Ouais, bah, le coffre, on peut le laisser là. Allez, je suis plein, bah, ça tombe bien, le coffre est là. Ça, la tortelle, la varifelle, je vais la garder. Ça, j'en ai besoin, ça aussi, ça non, plus ça non plus. Ça, j'en ai besoin que d'un, je sais pas pourquoi j'en ai deux. Non, j'avais quand même besoin d'un, faut pas déconner. Ça, pour le moment, ça va rester là, ça aussi. Donc ça, c'était pour faire le Stirling Engine. Hop, hop. Hop, ok. Vraiment vide, j'ai tout pris. Hop, manquait ça. On est parti dans le nether. C'est lourd à transporter pour une petite chauve-souris. Mais bon. On en est où là? Les mobs se pressent pas, hein. Ok, alors ouais, hop ça, déjà on va commencer par ça. Donc ça, ça va venir ici. Ça, ensuite le magma crucible par dessus. On va avoir, alors, hop, on va avoir une entrée au dessus, une entrée en dessous, et sur le côté on va avoir la sortie. Ici. Non, de l'autre côté, ce sera mieux. Ce sera mieux ici. Ok, quoique non, en fait, je peux laisser ça là. Je suis bête, moi. Ça, ouais, ça, je vais pas gêner ça. Ça va gêner. Ça va gêner. Ça non. Allez, hop, le wooden transport pipe par-dessus. Le l'engine doit être un problème. Comme ça, ça sera mieux. Ok, le bloc de redstone parce qu'on est bourge.
Fluid act. Il va nous manquer également ceci. Donc ceci, pas bien compliqué. On va le mettre comme cela. Et on va mettre. On va le mettre comme ça. Pourquoi comme ça? Ben simplement parce que comme ça, moi je peux ici directement alimenter. Comme cela. Ici, ça se remplit, c'est cool. Ici, ça se remplit normalement. C'est cool. Ici. On a le rename hein. Ou simplement CP CP lava On va pour le moment le lancer juste comme ça. J'ai trop peur de mettre une connerie en mettant startup alors. Lava refuel. Et on va mettre un saut de lave ici. Normalement, si je regarde le Stirling Engine, le saut de l'œuf devrait pas tarder à revenir. Ça va prendre un petit peu de temps. Normal. Nickel! Nickel! C'est nickel! Oh là là! Oh, c'est génial! C'est génial! Rien à dire. Bon, on va récupérer quelques fluidettes. On va récupérer quelques fluidacts. Eh, mine de rien, c'est quand même assez compact comme machine. Et ça a l'air de se remplir plus vite que ça se vide. Donc c'est nickel. C'est beau. Y a pas à dire, c'est beau. Écoutez, je suis très content de moi. J'ai fait un super programme qui marche du tonnerre. Et puis bon, on se casse. On se casse. Allez, ça c'est fait. Deuxième turtle. Un petit programme super sympa. Ouh, attendez, 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 attendez. Et oh. Ça va les mecs? Salut. Vous... Ça vous dit de me suivre un peu ou non? Ok, merci pour ta mob essence. Oula! Ça c'était une chauve-souris, je m'y attendais pas. Ok, par contre c'est complètement aveugle ces trucs-là. C'est du Ars Magica. J'aime pas bien ce mode en fait, Ars Magica, je sais pas. Je suis pas adepte en fait. Allez, merci. Allez, j'ai besoin d'un underpearl. Viens là. Qu'est-ce que ça drop d'ailleurs? Ça drop que dalle? Oh bon. C'est radin en plus comme machine. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? T'arrives pas à sauter? Bon, c'est un peu con. Hein. Mais... Voilà. On est à quoi? On est à 500? Oh, c'est pas terrible. Bon, enfin bref. Quand je l'aurai mis sur une tour à mob, ce sera nettement mieux, ce sera beaucoup plus facile. Eh ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. En plus...
Moi, je dois encore programmer ce soir en plus. J'ai encore de la programmation de prévu. Donc voilà. Je vais voir si j'ai de quoi me faire un autre Tesseract éventuellement. Pas pour le sludge, pas encore. C'est bon, je peux encore me permettre de me bouger encore un petit peu. Pour ça, même si ce sera avantageux parce que ça m'éviterait de me faire empoisonner un coup sur quatre. Voilà. Bon. Eh ben c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Salut Creeper. Oh, tu peux péter là, tu me feras pas de dégâts. Ok, ça c'est plein. Ok, on commence même à perdre de la redstone, c'est pas bon signe. De me noyer. Bon. Ça, c'est très con. Bon, et ben je vide rapidement ma query dans les barrels. Enfin, c'est essentiellement la voilà la stone, hein. C'est pas bien dramatique. Je fais souvent des allers-retours. Il me faudrait des items, des tesseracts pour items, avec des items, qui gèrent les items en fait. Quoi qu'en soit, j'en ai un, donc je pourrais hein, renvoyer et puis renvoyer ailleurs, je sais pas où, mais. Ce qui m'éviterait les allers-retours. Enfin, ça, de toute façon, c'est pas la partie la plus intéressante du jeu, hein. C'est la gestion de ressources, c'est des allers-retours, ça me consomme ma bouffe, que je n'en ai plus d'ailleurs. Absolument génial. Ok, un barrel de plus. Ah oui, logique. Bon, allez. Bah écoutez, bah, sur ces va-et-vient indécents. Non, je déconne. C'est. On va se quitter là. Ouais, mais dire que je fais ça pendant plusieurs heures quand vous n'êtes pas en train de regarder. Bah plusieurs heures. Un coup de temps en temps, quoi, quand je laisse tourner le jeu. Ok. Ok, là je suis dans la merde. Ah, non. Enfin, j'ai toujours des coffres hein, après, hein, mais bon. Défaut d'avoir autre chose à manger. Faudra vraiment que je m'intéresse aussi à la bouffe. Qu'est-ce qu'on peut faire en mode avec la bouffe? Je regarderai. Je regarderai les modes qui concernent la bouffe. À l'occasion, il y a des trucs sympas. La dirt, tu peux la garder. C'est pas ce qu'on comble le plus. L'abyssal, je vais la prendre. Je vais même la prendre à la place de la cobble. L'abyssal, hop. Parce qu'au moins, je peux la stocker.
On va stocker un peu d'abyssal. Je vois pas trop l'intérêt de l'abyssal. Ça pourrait... Enfin, si, en tant que bloc de construction, ça peut paraître sympa, mais j'aime pas généralement les couleurs sombres. Enfin, j'aime pas. Ça peut être cool, hein. Ça peut être cool. Allez, je vais vider toute l'abyssale, comme ça ce sera fait. Ça libérera quelques emplacements pour le reste. Il est grand temps de faire quelque chose ici, hein. Appli d'énergie Styx. Est-ce qu'on a les ressources? Le problème des pliers d'énergie Styx, c'est que c'est long. C'est que ça va être long à faire. Ok. Toi, tu décharges plus d'énergie, toi. Bon, bah voilà. Alors, je sais qu'il me reste des slabs dans le secteur. Par là, je crois. Non. C'est ça, exact. Là, ça, il me faut du Resonant Thunder. Bon, tant pis. On saura que c'est de la cobble et de l'abyssal. Bon, on va peut-être se quitter là-dessus depuis le temps que je le dis. J'ai merde. Et ben, sur ce, je vous dis à bientôt. Ben, peut-être à plus tard, en fait. Je sais pas où on en est dans l'épisode. Hey, bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve un peu plus tard, même ben, le lendemain en réalité. Oui, je vais un peu vite. Hop. Voilà. Ça a un petit peu évolué. Finalement, si je vais m'installer ici. Je comptais m'installer plus loin, mais en fait, le point de spawn est là. Je n'ai pas réellement envie de changer. Je suis près de l'océan, je mets des cuirées dans l'océan. D'ailleurs, je l'ai déplacée, celle-là est terminée. La précédente est terminée. Bon, on va commencer par ça. On va commencer par la query. On va commencer par la query. Vous voyez déjà que ça a changé
les lavages générateurs ne sont plus là. Maintenant, c'est un Tesseract qui, alors, à la fois envoie l'énergie et récupère les items de la query. Et je vais vous montrer où tout ça est envoyé après. Donc, elle vient d'être lancée. Hein. Elle a été lancée il y a... j'ai lancé 5 minutes et après, j'ai quitté le jeu et j'ai repris là, l'instant. Donc, attendez, juste un instant. Voilà, excusez-moi, petit souci IRL. Ok. Voilà, donc je me suis fait des A26 de processeur à l'instant. Un peu de diamant, de redstone. Et l'outil qui sert à, avec le silicone là. Il y a du silicone également. Ça envoie ici. Le Tesseract envoie les items ici. Alors tout est pour le moment sur le réseau Lava. Pour le moment c'est ce que j'utilise. J'ai l'impression de ne plus rien recevoir. Je reçois toujours. Hein. Ouais, je reçois toujours. Non, bah, ce qui doit arriver doit être directement expulsé. Je sais pas. Pour le moment, donc pour le moment, il y a. Alors, je me suis planté au départ. Alors bon bah voilà. Donc j'ai fait ça. Donc au départ, je voulais le faire avec un filler. Question de feignantise et puis ben je me suis rendu compte finalement qu'avec la je l'ai pas sur moi la wand builder ça va beaucoup plus vite pour construire parce qu'on pose les blocs 9 par 9 donc systématiquement ça va beaucoup plus vite à construire ce qu'un bloc parce qu'avec la wand c'est ce qui va être plus facile à construire je verrai pour l'évoluer éventuellement ça fait 9 de hauteur donc voilà je suis toujours en chauve-souris ici on a la centrale électrique si on peut dire qui se alors on a l'impression qu'elle est vide en réalité elle fonctionne parfaitement hein. C'est juste que dès qu'il y a quelque chose de c'est consommé instantanément par la query en fait au milieu on a un Tesseract qui donc en donc nous reçoit le fluide donc ici émet le fluide dans les fluidacts alimente les générateurs et les générateurs via des Hardhead Energy Conduit les générateurs renvoient directement l'énergie dans le Tesseract et le Tesseract envoie la query pour le moment qu'à la query donc on a ces trois Tesseracts là pour le moment on a un Tesseract ici pour les items un Tesseract ici pour l'énergie et la lave et de l'autre côté on a un Tesseract donc qui est pour les items et l'énergie. Et dans le nether, évidemment, on a toujours le Tesseract pour la lave qu'il faut que je relance d'ailleurs. Enfin, que je relance. Pas que je relance, mais à mon avis, la turtle a dû s'arrêter. Oui, ma barre de faim est vide et étant en easy, ben, je ne descends pas en dessous de 4 coeurs de faim. Donc, excusez-moi. Quelque chose qui m'embête un petit peu IRL, c'est trop fort rien. Juste voir, mais normalement, elle s'est arrêtée. C'est bien ce qui me semblait. C'est lava générateur. Lava refuel, c'est ça. Lava. Refuel. Elle est lancée. Elle fait le travail. Donc c'est parti, donc ça c'est fait. L'harvester, je l'ai ramené ailleurs, vous l'avez peut-être vu, mais il se fait assez discret. Excusez-moi. Voilà. Je vais t'embêter là. Attendez, je vais juste trouver une petite solution. Parce que j'ai un tout petit problème IRL. Oh puis j'ai oublié de charger mon chargeur. Attendez, je branche mon transfo tant que j'y suis. Hop, voilà. La bouffe comment? La bouffe, j'ai de quoi le faire parce que tout le... Attendez, excusez-moi. Je me replace bien. Je suis désolé.
petit peu mal organisé. Ouais, on m'entend, hein. Ouais, normalement, oui. Pareil, il y a quelques frises possibles parce que j'ai du travail. Voilà, le grinder est ici. Dès qu'il y a un mob qui rentre, il se fait déchiqueter. Et je récupère de la mob essence. Bon, pour le moment, il n'y en a pas qui sont passés, mais... Mais ça, c'est pour la mob essence. Ici, mes machines. Je vais en rapatrier une autre également. Que je vais voir pour connecter. Ou peut-être la mettre à côté. Il lui faut... Ah oui, puis c'est pas la même énergie. C'est ce système-là. J'aimerais le ramener dedans. Ah oui, mais ces machines-là, faut que je voie comment je les déplace. Ça produit, ça produit, tout va bien. Oui, et donc toutes mes box, je les ai utilisées. J'ai encore des gâteaux ici. Et j'ai mis tout ça là-dedans en vrac. Oui, donc j'ai lancé mon appli d'énergistique. J'ai mis des 4K storage. Wow, c'est assez rapide à faire. Enfin, les 4K, c'est assez simple, hein. C'est donc de la redstone, de la glace, de l'iron, et il y a ce storage segment au milieu. Le storage segment, ça se fait avec de la redstone, du verre. Les basic processors, vous savez, on avait vu comment on les fait. On fait cuire un basic processor assembly et c'est simplement du gold, de la redstone, du silicone. Silicone qu'on fait assez simplement, c'est du nether quartz. C'est du nether quartz, puis voilà. Et puis résultat, je perds le fil. Voilà, donc on fait ce truc là avec. Et avec ça, voilà, qu'on fait cuire. Voilà, on fait un... On peut faire plein de choses en fait. Voilà. On fait ces storage... on fait ces storage cells. Notamment les storage cells ici également. Donc voilà, donc les storage cells, ça se fait avec du Certus Quartz, de la redstone. Donc beaucoup de redstone, ça consomme beaucoup de redstone quand même. Ça consomme quoi? Un diamant? Non, un peu d'or également. Voilà, donc c'est pas bien compliqué à faire les 4K. Après, ça devient beaucoup plus cher dès qu'on passe sur des 16K, des trucs comme ça. J'avais pas... Enfin, j'avais les ressources pour, mais... Ça me parlait pas de passer tout de suite au 16K. Pour le moment, les 4K me suffisent largement. Donc voilà, donc on a tout ça qui arrive de la query. Faut que je voie pour automatiser également mes ressources. L'or par exemple, le faire fondre automatiquement. Pareil pour le... Vous voyez que j'ai 100 blocs de gold, 400 blocs de fer à faire fondre. Donc voilà. Donc tout ça, ça se fait, ce sera ici, c'est là que sera notre base. Ici, là, en haut, il n'y a rien, hein. Il n'y a que dalle. Ici, j'ai coupé en deux parce que pour l'énergie, c'était moins chiant à transporter. Je vais mettre des covers là par-dessus le câble. Et puis voilà, hein. Donc ça avance, ça avance. Et donc ce que je voulais, ça se remplit un petit peu, mais ça ne fait rien. Non, je peux le casser. Je peux le casser. Petit freeze en même temps. Fusil. J'espère que c'est celui-là qu'il me fallait. Au petit freeze. Alors, move par stack. Ça va aller beaucoup plus vite. Et always active. De toute façon, ça vient de la query, ça vient pas d'ailleurs, donc on s'en fiche. Puis je m'étais fait un export bus, mais je me suis planté en fait. J'ai confondu entre l'import et l'export, hein. Donc bon, bah l'export bus, je l'ai laissé ici. Tant pis, il sert de câble simple, bourgeoisie totale, mais voilà. Il me reste des ardennes ici, tiens. Bon, voilà, au moins on a vraiment un visuel sur tout ce qu'on a. J'ai encore du câble, tiens. Est-ce que ici... Oh, ici ça doit... Ouais, ici ça dépote. Allez, hop.
Ah d'accord, ok, c'était un bug d'affichage, il était déjà parti en fait. Ok, voilà, puis on a le... Ici le compte rendu de ce que l'on a sur le réseau. Ça je vais l'envoyer. J'ai le chat qui gratte à la porte. Une seconde. Voilà. Voilà, bon on voit que les types hein, ça se bat un petit peu mais ça fonctionne bien. Ici si j'ai toujours un peu de lave, parfois j'y mets des tanks en guise de net, viens là toi. Non, t'es tombé. Tu peux pas venir. Voilà, puis. Bon bah j'avance quoi. Programme. Bah je voulais juste vous montrer ça. C'est là. C'est ce que je fais en ce moment. Je vais voir pour éventuellement ramener le. Tout ce qui est. Hop, ces machines-là. Le problème c'est que j'ai pas l'élément pour les ramener. Alors apparemment ce sont celles-là, ce sont les electric wrench qu'il faut utiliser. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? On construit ensemble? Why not? Une rebatterie. Utine. Utine. Bon, on va construire ça ensemble. Qu'est-ce que vous en dites? Donc oui, pour le moment, j'ai pas encore fait de... Donc pour le moment, c'est juste un access. J'ai pas encore fait le... Avec la table de crafting intégrée, là. Je la ferai plus tard. Les craft auto proposés par Applied Energy Sticks. Pas envie de les faire. J'ai envie de passer autrement. J'ai envie de faire autrement. J'ai envie, parce que c'est assez coûteux, hein, mine de rien. J'aimerais plutôt passer par des bonnes vieilles. Ouais. Voilà, des auto. Voilà, des tables automatiques. Ça marche très bien. Le seul problème, c'est quand on a des items uniques, on peut pas s'en servir. Je vais aller tuer mon chat, je reviens. Non, je déconne, je vais pas le tuer, mais je reviens. Voilà, bon. Donc, je sais pas où il s'est calmé d'un seul coup. Alors, tiens, c'est quoi ça? Ferry. Ah ouais. Enfin bref, on avance. Donc je disais la wrench. Donc la wrench. Donc elle se fait. Bah déjà il va nous falloir celle-là. C'est quoi? C'est du bronze. Ok, ça c'est pas un souci. Du bronze. On en a. Pas tant que ça. Mais bon, on en a. On en a, on en a. On a ce qu'il faut. Ok, donc ça, on est d'accord. Ensuite la wrench, donc il nous faut ça. Donc ça, on l'a. Il nous faut le small power machin. Ça, on va commencer par une rebatterie qui se fait avec du tin et de la redstone. Donc du tin, ça c'est pas un souci. Du tin, on va pas avoir ce qu'il faut. Mon marteau là il est à l'autre bout, va falloir que je prends ça au cas où. Du tin et de la redstone. Ça me paraît pas mal ça. Ok, donc c'est la wrench. Ok, donc ça je... Ah d'accord, là ce sont des iron. Beaucoup de copper, il va nous falloir beaucoup de copper. Bon, les copper câbleux, je pense pas qu'on en aura besoin. Mmh.
Wrench. Hop, hop. On va avoir besoin de copper cap, donc ça c'est pareil. Les coils avec des tin plate, un peu d'iron, donc l'iron. Ok. Je vais chercher le matériel qu'il me faut. C'est resté dans le coffre là-bas. Parce que les objets uniques, je les mets pas dans. Dans le machin, enfin dans un pilier d'Energy Sticks. Tiens, j'ai pas de mob essence ici. Ouais. Voilà, ici c'est complètement vide. Presque. Voilà. Bon. Ok. C'est pas là, c'est là. Alors, il nous faut déjà du copper. Donc le copper, c'est pas compliqué. J'en ai pris vachement beaucoup. C'est pas comme ça. C'est comment déjà le... Le câble... Ah d'accord, ce sont des plates. Donc les plates, il y a deux manières de les faire. On va en faire une dizaine, je pense que ce sera suffisant. Hop, ah oui, on en a 20. Voilà, ensuite il va nous falloir. Donc là, c'est la même chose, il va nous falloir. Ben oui, ben c'est ça. Voilà, des tin plates. Qu'on va même reconvertir directement en team Intain casting. On en a 8, on doit en avoir assez aussi. Ça c'est bon. Ensuite, donc pour la wrench. Il nous faut de l'iron. La même chose avec l'iron. Donc ça c'est pas bien compliqué. Ok. Je pense déjà qu'on peut avoir le premier élément, non? Attendez, attendez, on va commencer par le début, c'est-à-dire la RE batterie. La RE batterie, c'est du tin et il nous faut également du tin câble. Et mercredi, faut pas des masses hein. Voilà 3 du rubber rubber bar rubber bar que j'ai mis là donc voilà donc ça déjà on l'a et ben on a déjà notre RE batterie. Je peux le mettre comme ça directement, je sais comment ça se fait. Ça c'est la tin, ça c'est l'iron, hop.